Salut les gaufrettes! On espère que tout va bien chez vous. Vous le savez, on tourne nos vidéos en avance. Au moment du tournage, nous ne pouvons prévoir les décisions gouvernementales concernant la crise sanitaire. Qu'on puisse se réunir ou pas pour les fêtes de fin d'année, on peut toujours mettre de la joie dans nos assiettes. On vous propose deux recettes pour trinquer autour d'une table ou en FaceTime. Découvrons-la ensemble avec le jeu de la semaine. On se lave les mains et... Direction cuisine! Pour le cheesecake, il faudra 300 g de samouré, 120 g de crème fraîche entière, 130 g de tuc, 60 g de beurre, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 140 g de truite fumée, un citron vert, 2 feuilles de gélatine et un récipient d'eau froide, une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café d'aneth et du poivre. Je fais tremper la gélatine dans le récipient d'eau froide. Je mixe finement les biscuits. Je fais fondre le beurre, l'ajoute ainsi que l'huile au biscuit et je mélange bien. Je répartis ce mélange au fond de mes emporte-pièces. Ça part au frigo. Dans un cul de poule, je fouette le fromage, le zeste et le jus de citron. J'ajoute le gingembre, la coriandre, l'aneth et le poivre à discrétion. Je mélange bien. Je fais chauffer la crème sans la faire bouillir, puis hors du feu, j'ajoute les feuilles de gélatine essorée et je mélange. Je verse la crème sur la préparation précédente et je mélange à nouveau. Je verse dans les emporte-pièces par-dessus les biscuits. Ça part au frigo pendant minimum 2 heures. Au moment de servir, je détaille la truite et la dispose sur les cheesecakes. Pour les cakes, il faudra 150 g de magret fumé tranché, 100 g de foie gras, 100 g de figues, 3 œufs, 100 ml de crème liquide, 150 g de farine, 40 g de beurre fondu, une pincée de sel et une pincée de poivre. Je coupe en dés le foie gras, la figue et le magret. Dans un cul de poule, je mélange les œufs, le beurre fondu, la crème, la farine, le sel et le poivre.
J'incorpore délicatement les dés de foie gras, figues et magrets. Je répartis la préparation dans les alvéoles du moule à mini cake. Ça part au Cake Factory mode P2 pendant 40 minutes. Une petite entrée délicieuse. Ce qui nous a permis de glisser une recette salée au Cake Factory. Nous vous l'avions promis. Ainsi qu'une recette sans cuisson qui fait son effet. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous les gaufrettes. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo.